Hey, salut à tous, ici Onimusha et bienvenue pour l'épisode 14 de Oblivion. Dans cet épisode, nous allons continuer la quête principale. Donc je me dirige vers la cité impériale. Bonjour monsieur. Parlez. Non, j'ai pas envie de te parler. Bon. Bon après-midi. Un bon après-midi. Alors j'espère réellement que vous, ça va très bien. Moi, oui. Nickel, parfait. Et si jamais ça va pas pour vous, et bien écoutez, détendez-vous avec cette vidéo. On va essayer de passer entre 30 et 40 minutes de pur bonheur, je l'espère, pour vous. Ah, nous revoilà, hein. Enfin, à la cité impériale. Il y a une écurie. Rappelez-vous, c'est ici où on m'avait très bien signalé qu'un espèce de cerf, caribou, lapin, tout ce que vous voulez, avait foncé dans ses chevaux. Je veux celui-là. Allez-vous-en, imbécile. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Parfait, qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Restita Statlilia. Je travaille à l'école. À tes souhaits. À l'Alzan. Vous n'auriez pas vu nos chevaux? Quoi? Non. Pas grave. Ils ont disparu, c'est tout. Comment ça? Attends, comment ça ils ont disparu? Très bien. Go! Non, je veux te parler en fait. Nous verrons bien. Ah, je peux pas? Ok, très bien. Adieu. Toi là! Continuez. Comment ça les chevaux ils vont disparaître? Mais bordel, mais. J'espère que ça en vaut la peine. De quel droit me dérangez-vous? Prenez soin de vous. Ok! Mais moi je veux ce cheval. J'ai pas le droit de le monter. Qu'y a-t-il? Je veux un cheval. Cheval de. Au revoir. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter un cheval? Il est 5h du soir. Il n'est pas trop tard pour acheter un cheval. Je veux ce cheval. Bon, je veux un cheval. On m'a volé à l'aison. Salutations. Salut. Je suis Brielus Gawé. Quoi? Non, on ne vend pas de chevaux. Pourquoi? On mange bien. C'est un orque qui est propriétaire des écuries. Vous savez ce que c'est, les orques et les chevaux. Mais qu'est-ce qui se passe avec les chevaux? Oui. À bientôt. Toi, viens là. Qu'y a-t-il? Je veux te parler. Non, je veux te parler. Continue. J'espère que ça en vaut la peine. Alors, tu aimes bien qu'on se vante, tu aimes bien qu'on plaisante, tu n'aimes pas du tout qu'on t'admire et tu n'aimes pas être contraigne. Bref. Ah, c'est en train de descendre en plus. Bon, bam. C'est une bonne blague. Vous gaspillez votre salive. Sale. N'essayez pas. Ok, c'est encore plus descendu. Ma vie est vraiment terne à côté de la vôtre. Ce ne sont que des paroles en l'air. Pas mal. C'est vraiment. Oh là là, ça vaut pas. J'espère que ça en vaut la peine. Oui. Puis, ni maintenant, c'est stupide. Vraiment. C'est bon, ça passe. On continue. désolé. C'est stupide. Ne dites pas. Elle est bien. Oh, 14 quoi. Ni maintenant, ni plus tard. Jamais. Elle est bien bonne. Que d'aventure. Oh, je vous en prie. Vraiment.
Parfait, 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 parfait. Oh, 38. Bon, ok, c'est de la merde. Allez, casse-toi. J'ai horreur de ce système de dialogue. Pousse-toi. Bon, cheval, 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 attends-moi, cheval. Je reviens. T'es aveugle ? Bref. Allons-y. Tu as passé assez de temps avec ces conneries. Aïe. Hop là. Waouh, le dragon. Il est complètement stylé, ce dragon. Ok, casse-toi. Donc, rappelez-vous, on devait aller chercher les livres. Wow! C'était quoi ce bon? Oui! Oh la vache! On devait aller chercher les 4 livres qui étaient en rapport avec la carte de l'aube. On en avait trouvé 2. Et la personne qui nous a donné le second livre nous a dit d'aller voir à la librairie, enfin la bibliothèque, pour trouver le troisième. Donc on y va de ce pas. Ici. Bonjour. Je suis Finkia, propriétaire et gérant de la première édition. Regardez autour de vous. Si vous cherchez un livre que je n'ai pas, je peux peut-être vous l'obtenir. Fais-moi voir. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Tamriel. Oh, la biographie de Parencia. Elle est pas chère en plus. Je prends. Je prends. Je prends. Vous avez. Et je prends. C'est ça. Guide des vies, je m'en fiche un peu, histoire du crochetage. Ah non. Trop cher. Les eaux d'Oblivion, on l'a déjà. Ou alors on l'a lu. Alors. Ah, la remove. Ah, le récit argonien, qui a un bon livre aussi. Voleur de vertu, qui a un bon livre. Ah, mais c'est ça la véritable histoire de la reine Parencia. Je prends. C'est un plaisir de. Je prends, je prends. Voilà. Bon. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Discussion du Mysterium Xarxès. Vous devez parler des commentaires sur le Mysterium Xarxès de Mankar Camoran. Exactement. Cette erreur est courante. Il se présente en 4 volumes. Les 2 premiers volumes sont rares. Mais il se peut que vous les croisiez de temps en temps. Je les ai déjà. Le 3e et le 4e sont impossibles. Ah merde. J'ai besoin de ces volumes. Guinas serait tellement déçu s'il n'était plus là lorsqu'il viendra le récupérer. Je regrette. Ah merde, j'ai passé un dialogue sans faire exprès. Alors attendez. Hop. Bonjour. On va juste charger. Voilà. Je fais mon. Voilà, ça. Voilà. Je suis Finkias. Hop, je vais juste racheter vite fait, hein, désolé. J'offre les meilleurs produits de tout. Sirop. Vous êtes très dur en affaires. Non. Je ne vous en ai pas. Voilà. Ensuite,
revenez. Vous devez parler des commentaires. Oui, et j'ai besoin. Il se trouve que j'ai un exemplaire du tome 3 à ma disposition. Voilà, d'accord. Mais j'ai bien peur qu'il s'agisse d'une commande spéciale, déjà réglée par un autre client. Désolé. Guinas serait tellement déçu s'il n'était plus là lorsqu'il viendra le récupérer. Je regrette, je ne peux pas vous aider. Ok, merci. Et pour le volume 4 ? J'aimerais en avoir un. Je n'en ai pas vu le moindre exemplaire. Ok, et le 3 ? Je crains de ne pouvoir vous le vendre, quel qu'en soit le prix. Je l'ai déjà promis à quelqu'un d'autre et je n'ai qu'une part. Ok. Pas mon Guinas. Je ne le connais pas personnellement. Mais il semblait très impatient de mettre la main sur le volume 3 des commentaires de Camoran. Il est venu de Malvoisé. En fait, il est déjà en retard à son rendez-vous pour récupérer le livre. Vous pouvez l'attendre si vous souhaitez lui parler vous-même. Je peux faire ça. Bonjour. Je peux aussi aller directement chercher... Je veux juste voir s'il est là-dedans. Non. Histoire du crochetage, je peux le lire. Bon, je vais déjà l'avoir lu. Tuto de Bummer. Mais sans Sabriel, j'attends. T'inquiète pas, j'attends. C'était cela le livre, j'aurais pu les voler. Ah, il doit être là-dedans. Allez. Ah! Arg! Ouais, non, ça sert à rien. Coucou. Écoute, on va l'attendre, hein. Il est arrivé vers quelle heure, par contre? Finkias m'a dit que Guinas allait venir chercher son exemplaire du volume 3. Il faut que j'attende et que je découvre ce qu'il sait. Je vais l'attendre. J'attends dehors ou j'attends à l'intérieur? Ah, il arrive. Ah, c'est là. Je suis désolé, je suis en retard à un rendez-vous. Je n'ai pas le temps de vous parler. Oh, je crois bien. Hey ! Mais t'es tout petit maintenant. Je suis ici pour mon livre, Les commentaires de Mankar Camoran, tome 3. Ah, j'oubliais. Tenez, souvenez-vous de nous pour vos éventuels besoins futurs. Merci. Merci. Je ne peux vous dire depuis combien de temps j'attends de mettre la main sur cet ouvrage. Intéressant, poursuivez. Que voulez-vous? Vous m'avez suivi? Laissez-moi tranquille. Mais toi, parle-moi du culte de l'aube mythique. Les aubes mythiques? Est-ce que... Je veux dire, j'ignore de quoi vous parlez. Je n'ai jamais entendu parler de la moindre scène. Mais bien sûr, ne faites pas l'imbécile. Vous y êtes jusqu'aux cheveux. Je vous demande pardon? Vous prétendez m'enseigner les cultes des Drakes? Sachez que je me suis rendu au sanctuaire de Sheogorath durant le festival de la démence. J'ai parlé à Hermès. Et alors? Moi j'étais chez lui dans sa bibliothèque. Ils ont tué l'empereur, imbécile! Quoi? C'était l'aube mythique? Vous devez me croire. Je n'en savais absolument rien. Je veux dire, je savais qu'il s'agissait d'un culte d'Edric. Les vues de Mankar Camoran sur mes runes d'Agon sont fascinantes, même révolutionnaires. Mais de là à assassiner l'empereur, que Mara nous protège. T'aimes le bouquin ? Oui, bien sûr. Je ne veux pas que l'on croie que j'ai quoi que ce soit à faire avec leur folle machination. Tenez, le tome 3 est à vous. Ce que vous voulez en faire ne me regarde pas. Le quatrième aussi. Vous ne pouvez obtenir le tome 4 des mains d'un membre de l'aube mythique. J'avais fixé rendez-vous avec le mécène, comme il s'appelle lui-même. Tenez, prenez cette note qu'il m'avait donnée. Elle vous dit où vous rendre
Je ne veux plus jamais avoir affaire à l'aube mythique. Allez, dégage. Il est temps pour moi de lire. On va faire juste la note déjà. Waouh, tout ça. Bon. Quinas, j'ai pris note de ton intérêt pour les écrits du maître. Tu fais tes premiers pas vers la lumière. Persévère et tu rejoindras le rang des heureux élus. Des heureux élus. Pour poursuivre dans la voie de l'aurore, il te faut les 4 volumes des commentaires sur le Mysterium Xerces. Tu ne peux les obtenir que des mains d'un membre de l'ordre de l'aube mythique. Puisque je suis ton mécène attitré, je te céderai mes exemplaires si je t'en estime digne. Étudie les 3 premiers volumes des écrits du maître. Et force-toi de les rechercher, de rechercher le sens caché de ses paroles. Qui ne veulent rien dire. Lorsque tu seras prêt, rends-toi aux égouts immergés sous la place de Talos dans la cité impériale. Viens seul. Suis le tunnel principal jusqu'à ce que tu accèdes à une salle dotée d'une table et d'une chaise. Assieds-toi, je te retrouverai et te donnerai ce que tu souhaites. Le mécène. Très bien. Maintenant, lisons le 3e voilà, commentaire de l'aube mythique. Est-ce long ? Non. Donc, commentaire sur le Mysterium Xerces par Mankar Kamran. Shim ! La tour atteint tous les manteaux du ciel, mes chers novices, et grâce à son sommet, chacun peut être tel qu'il sera. Même plus, être tel qu'il l'était, mais différent pour tous les autres. Ainsi est le destin de celui qui suit ce chemin. Il s'agit de la 3e clé de Numantia, dévoilant le secret sur le passage de mortel à créateur et de créateur à mortel. Les os de la roue ont besoin de leur chair, tel est l'héritage de l'humanité. Parjure, prenez garde, car les routes mimiques sont envahies par leurs traîtres, les chiens de chasse des dieux prolixes. Le sang du dragon a dissimulé cette ascension sous 600 ans d'un labyrinthe éthéré. L'arène, les liens du sang qu'il rejette encore. J'essaie de comprendre en même temps, c'est pour ça que je m'arrête. Par le livre, prends ses clés et perce la carapace divine qui contient les preneurs de manteau. La peau de l'or. Scarab Ae Orbex. Malheur au parjure, à propos de la peau de l'or. Le Mysterium Xerces dit, ne vous laissez pas tromper par les cavaliers tristes qui s'écartent du droit chemin, car ils ont perdu la foi et la faute en revient à Aedra, qui ne semble connaître d'autres planètes. Selon les ordres du seigneur Dagon, nous avons le devoir d'anéantir ces impies. Dévoilez ces âmes perdues et prenez possession de cette petite part de volonté qui les a d'abord conduits à suivre le chemin de Dieu. Recrachez ou réduisez en cendres celles qui les a retardées. Ils sont connus sous le nom de Mnemoli. Tout nouveau membre est récompensé par le méconnu. Regarde, frère, et n'en donne pas plus à l'hydre. Lecteur, bientôt tu ressentiras le cœur obscur. La pièce dans laquelle tu te trouves à présent se remplira de regards et de voix. La bougie ou le sort de lumière, au moment où tu lis ceci, deviendra la porte d'entrée des traîtres dont je viens de te parler. Méprise-les et ne crains rien. Traite-les de tous les noms, fais appel à leur nature primaire. Moi, le Mankar des étoiles, je suis avec toi, et je viens pour te conduire vers mon paradis, là où les traîtres de la tour s'accrochent à des morceaux de verre jusqu'à ce qu'ils se joignent à la nouvelle révolution. Ceci est ton gardien contre le Mnemoli. Il fende l'air et le son, et ne brille que lorsque la terre tremble en donnant naissance à de nouveaux protégés. Dis-leur, allez Gartok, Almnen, Dieu est là, Numi Mora, Numdalae, Men, Nem. Pardon. Lorsque tu entreras dans le mythique, il te remettra ses pouvoirs. Le mythe n'est rien de plus que les premiers désirs, une véritable indicible. Médite sur cela pendant que tu recherches la 4e clé. Les lois convenues de la nature ésotérique se dissiperont telles la chaleur. Premier précepte de la tour,
emmène le lien mutant là où il ne pourra pas faire de mal. Tout comme le dieu de Mundus, ses descendants doivent être séparés de leurs étincelles divines. Nous sommes 8 fois 8 exarques. Que le foyer de Padomé puisse nous voir comme sa seule issue. Shim, ceux qui le savent peuvent remodeler le paysage, admire le foyer du roi rouge autrefois jungle. Lui qui est entré au paradis a rejoint sa propre mère, Ae Alma Ruma. L'orbis prend fin quoi qu'il en soit. C'est la fin que nous cherchons depuis notre naissance. Tout prend fin. Échoue maintenant et deviens l'un de ces orphelins perdus qui me nourrissent. Continue et je t'aimerai de tout mon être. Ma première fille s'est enfuie sur la route d'Agonite. Elle s'appelait Ruma et je l'ai mangée sans pain. Puis j'en ai fait une autre qui a appris et je l'ai aimée et les mères ont pris le rôle de jumeaux à jamais. La lumière des étoiles est ton manteau, mon frère. Porte-le pour éclairer ton chemin et ajoute sa lumière au paradis. Ok. Ok. Bon. Bonjour. Ah ! Viens là, toi. Comment allez-vous ? Viens là, je dis. Bonsoir. Ontus Vanin, à la retraite. Je fais la grasse matinée et je fais le moment de pacotille. Je ne m'intéresse plus aux affaires de la guilde des mages. Ah, tu étais... D'accord, ok. Et on s'aime bien ? Bon, ça va. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Bon. Eh bien, on va se rendre dans les égouts. Ah, le symbole de l'Empire. Et hop. Bon. On va se rendre au rendez-vous et on va... obtenir ce nouveau bouquin. Bah c'est par là, non? Non? Oula. Qu'est-ce que j'ai raté? Vous ne trouvez pas qu'il admettrait que très facilement. Ah, c'est par là? Bon, on va aller par là. Un avis sans précision se fatigue en tirant, d'accord. Ah bah oui, c'est vrai, Bruce. C'est pas facile de vous trouver. Qu'est-ce que vous avez découvert? La réunion de l'homme mythique. Ça pourrait être la réponse à nos questions. Beau travail. Il faut que nous mettions la main sur le quatrième livre. Si Tarmena a raison, nous pouvons nous servir de ces livres pour trouver le sanctuaire caché de l'aube mythique. Allons-y. Je connais bien cette partie des égouts. Non mais je vais y aller seul, hein. Les égouts passent en dessous de toute la cité impériale. Il y a des points d'accès dans chaque quartier. Les lames ont l'occasion de s'en servir dans notre travail clandestin. Et comme un moyen de se déplacer dans la ville sans attirer... Mais si j'y vais seul, c'est bon. Suivez-moi. Je sais comment accéder à la partie des égouts où nous devons rencontrer le monsieur. Je suis. Et j'ai juste à y aller seul, à prendre le bouquin et à le suivre, quoi. C'est pas... T'es où? T'es là. Non, c'est pas toi. Bonjour. T'es là. Allez, go. Mais... Voilà. Oui. Ah, ça va loin, quand même. Ah oui, ça va loin, quand même. T'es où? Ah, t'es là. Oui, j'arrive. C'est pour être discret, je mets la torche. Bon, on voit rien de plus. Ah oui, c'est juste là. Ok, très bien. Un n'importe quoi en armure lourde ne nagera plus facilement. Non, nagera plus facilement, je pense. Oula. C'est ça. Défonce!
putain, peut plus se prendre une boule de feu. Ouais, bah vas-y, écoute, t'as pas besoin de moi. Voilà. Après, les mecs crap, quoi. De ma magie, hein. Restons ensemble. Oh, ce pauvre rat, quoi. Ce pauvre rat. Bref. Pauvre petit rat. L'état de votre armure influe sur la protection qu'elle va faire. Ah oui, j'ai oublié de la soigner. Oh non, mais vas-y, hein. Pardon. Je joue avec Clara, je profite. Il fait un peu le café, hein, mine de rien, donc... Oh, y'a quoi, là? Mais quand même, c'est un crabe. Je connais la partie des égouts dont vous parliez. Ouais, vas-y, pas le vent, passe. Ah, ça c'est un peu plus gros déjà. Oh, mais elle est glissée! J'aimerais bien vous voir, c'est pas facile, hein! Ah là là. Non, je te laisse ça. Oh, une flèche! Je prends. Oh, le mec fait tellement le café, quoi. Celui-là est à moi. Mal joué. Je te suis, hein. Oh, la boule de feu que j'ai envoyée. Ouais, pas besoin de moi, c'est bon. Je prends tout. Pas grand chose. Non, il est à moi. Merde! Heureusement que j'en ai pris d'autres. Oh merde, désolé. Oh, il soit instant, ok. Le mec est invincible. En fait, je suis là juste pour l'éclairer. Hein. Il a pas besoin de moi, le mec. Hein.
Celui-là est à moi. Mais viens là. Non mais viens là. Ah bah quand même. Très bien. La salle avec la table se trouve juste derrière cette porte. Je me suis toujours demandé... Bah, je sais maintenant. J'ai appris par hasard que si vous empruntez cet escalier, vous aurez une bonne vue sur la salle de réunion. Je crois qu'il vaudrait mieux que je me charge de la réunion. Vous me servirez de renfort. Surveillez d'en haut. Oh, ça va mal finir. Non, j'y vais. Non, yeah, devrait être moi. J'ai une dette de sang envers ces assassins de l'aube mythique. En plus, je me suis entraîné à ce genre de choses toute ma vie. Eh ben vas-y, je vais le couvrir. Bien, n'oubliez pas, nous ne pouvons pas partir d'ici sans le livre. C'est notre meilleure chance de récupérer l'amulette. Allez, quand tu veux. Écoutez, je ne sais pas... Non, tu vas pas survivre, c'est sûr. Alors vous, vous devez vivre. Il faut absolument que vous retrouviez le livre et l'amulette des rois. Rassure-toi, je n'échoue jamais. Alors j'ai de la chance que vous soyez là pour me sauver. Venez. Ah oui, alors ça peut-être, je vais peut-être pas y arriver par contre. J'avoue que... Quoi? Déjà? Tenez-vous prêts. Oh oh, costaud. Seuls les élus survivront à la purification. Meurs, incrédule. Quoi? Ils sont beaucoup là. Vous êtes beaucoup quand même. Magie. Alors. Alors. Voyons voir. Non, je ne suis pas, ce n'est pas vrai. Argue. Ah, ils font mal. Hein. Au. L'autre de derrière, il va tomber mort en fait. Voilà. Tu vas voir le paradis, où est-ce que je vais te le mettre? Alors vous ne voyez rien, je sais bien. Voilà, bim. Ouh. Ça je prends. Oh. Ça je prends. Et je vais même m'en équiper. Voilà. Bon, plus qu'un. On n'est pas le plus fort, il faut être le plus malin, comme je l'ai toujours dit. Vous n'échapperez pas à la vigilance du maître. Wow, mais il t'a vraiment très très dur en fait.
Ah, puis mes bottes, elles sont mortes. Oh là 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 là. Bon. Hop. Je vais me mettre full lame. Voilà. Est-ce que j'ai une potion de soin? Ouais. Attends. Le seigneur Dagon accueillera bientôt en Oblivion. Alors. L'aube à propos. Quoi? Ah merde, je suis mort. Regarde auto. De toute façon, j'ai repris juste là. Ça a repris. Attends. Où est-ce que je suis là? Bah. Sérieux? Oh, sérieux, il n'y a pas eu de sauvegarde de tout. Putain, faut tout se retaper. Bon. Vas-y. Voilà, bien joué. On y va vite fait, voilà. Oh là, t'es sérieux, j'ai loupé ça quoi. Voilà. Oups. Je vais contracter la pourriture du cerveau. Tu viens ou quoi toi? Allez. Bon, j'ai contracté une maladie. Et heureusement, j'ai une maladie, j'ai une potion de maladie. Voilà. Je vais aller habiller directement en lame. Voilà. J'ai l'air d'un con, mais... J'ai l'air trop con. Hop, on dit comme ça. Oh là là. Ah, c'est des hitbox. Aïe! Allez, barre-toi! Qu'est-ce qu'il m'adresse? Ah, ça! Bim! Il est derrière l'autre là? Ah ouais. Ah mais là c'est de la culture. Hein. Ah non, c'est de la... Ah! Peu là, ça passe. Allez, go. Ninja! Non, il est à moi. Ninja Claymore quand même, hein. Ninja Claymore. Je prends feu, mais c'est classe.
Fais gaffe, il doit y avoir un autre enjeu, je crois. Non. Oh, c'est plus la pépite d'or. Oui, bah, t'es quand même bossé devant. Non. Alors, rien d'intéressant. Allons-y. Allez, allez. Et on terminera ça par. On terminera cette session après qu'on ait récupéré le quatrième bouquin. Voilà. Allez, dépêche-toi. Hein, les pauvres crabes, quoi. Par contre, tu voulais pas mettre une armure avant de venir? Genre pour éviter que tu meurs un seul coup, quoi. Hop! On se regarde après. Oui, ouais, t'inquiète pas, je vais te couvrir. Je vais juste jamais. De ça. Il y a la base fufufu, on fait jamais, hein. Et on sauvegarde ici. Voilà, comme ça, c'est un problème. Enfin, on est déjà rendu à 10 heures de jeu, mine de rien. Bon, vous voulez devenir l'un des élus de Mirune Dagon. Le sentier de l'aube est difficile, mais grandes sont les récompenses. J'ai le livre que vous recherchez. Avec cet ouvrage et les trois autres tomes du maître, vous aurez... Je vous avais dit de venir... Quoi ? Oh putain ! Ok. C'était prévu dans le scénario. Et dehors. Je n'ai pas peur. Comme les dieux que vous priez. Je pars, je n'ai pas peur. Ah dommage, j'étais pas sûr vivant. L'heure de la purification est presque là. Je n'ai pas peur. Réjouissez-vous, car vous ne verrez pas le jour où le seigneur Dagon arpente. Ouf. Meurs incrédule. T'as dur quand même, hein. Bon, pour que vous voyez quelque chose. Ah, ça a duré 15 secondes, ça sert à rien du tout. Santé, santé, et santé. Je n'ai pas peur. Eh bah, tant mieux pour toi, parce que tu vas mourir. Le paradis m'attend. Le paradis. Je n'ai pas peur de la mort. Oh, ouf. Wouhou. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Bon. Lui, il faut le tuer en premier, vraiment.
voulez devenir l'un des élus de Mérune Dagon. Le sentier de l'aube est difficile, mais grandes sont les récompenses. J'ai le livre que vous recherchez. Avec cet ouvrage et les trois autres tomes du maître, vous... Je vous avais dit de venir seul. Frère, tu es cette team. Le paradis. Il s'est déjà fait défoncer l'autre. Putain. Non, il est encore là. L'heure de la purification. Est-ce que là... Seuls les élus survivront à la purification. Le seigneur Dagon a... Ok, il est mort. Ok. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous pas le jour où le seigneur Dagon a... Ah! C'est chaud, hein. Mais bon, lui, il est mort. Pour le seigneur... Je n'ai pas peur de la mort. Mais bon, lui, il est mort. Hop, est-ce que je peux attendre juste une heure? Ah, parfait. Donc lui, il est mort. Et l'autre... Voilà, hop, je m'équipe de l'anneau. Oh, les deux. L'épisode doit encore être super long. Je sauvegarde. De toute façon, il est plus ou moins obligé de mourir, l'autre. Et j'attends. Allez, on est parti, on y croit. Et là ! Il est mort ? Il est mort ! Yeah ! Je prends. J'ai en ma possession le quatrième et dernier volume des écrits de Mankar Camoran sur les mystérieux Xarxès. Je devrais à présent être à même de trouver le sanctuaire secret de l'homme mythique. Tarmena pourra peut-être m'aider. Je prends. Savoir ce que tu avais, toi ? Une pierre. Et de l'argent. Même pas ton katana, ni rien, que dalle. Ok, très bien. Ah, c'est ton katana, est là. Allez, prends ton katana. On sauvegarde. Ah oui, il faut qu'on lise le bouquin. Eh bien écoutez, je pense qu'on le lira dans le prochain épisode. Non, on va quand même se terminer là-dessus. On va quand même terminer sur ce magnifique bouquin. Bon, j'ai peur que si je vais plus loin, je vais devoir affronter d'autres mecs. Qu'on va revenir dans la salle. Voilà. On va se mettre ici. Parfait. Et on va lire le bouquin. Alors attendez. Ouais, 111% de la magie, c'est quand même largement mieux. Allez, c'est parti. Il est pas trop long, j'espère. C'est bon. Commentaire sur le Mysterium Xarxès par Mankar Camoran. Gartok, que le porteur de la quatrième clé connaisse par cœur cette histoire. Le Mundex Terren était autrefois dirigé par les rois tyrans Drug. Chacun possédait son propre territoire, et les guerres aux frontières se faisaient entre leurs océans esclaves. Il ressemblait alors au totem du temps déjà maléfique, plein de moqueries et de pouvoirs profanes. Aucune âme ne pouvait vivre sans l'accord des drogues. Je demande mon âme au Magnagé, dit l'heureux au paradis, car ils ont créé le rasoir de Mérunès en secret, dans les entrailles de Ligue, le territoire du parvenu qui disparaît. Alors qu'il venait de différentes eaux, chaque guette partageait un même but, créer un prince bravéant, bienveillant, élaborant ses traits de manière aléatoire et l'imprégnant de l'atout le plus rare et le plus précieux d'Oblivion, l'espoir. Éternellement, j'entonne du paradis, Mérunès le piégeur, Mérunès l'incarnation de Dieu, les armes rouges de Mérunès qui s'est élevée, Numantia, liberté. Ne croyez pas que ces temps sont révolus, mes novices, car Mérunès a fait tomber Ligue, et il lui a asséné un grand coup, déclarant libre chacun des 19 et 9 et 9 océans. Aussi viendra-t-il écraser la couronne du serpent de Cyrodiil pour instaurer une fédération.
Ces temps seront alors bouleversés tout comme autrefois. D'antan, le mot magique Numantia suffit à soulever une rébellion et à faire tomber les tours de Chim'el, Garjig. Chim'el, Garjig. Garjig. C'est Garjig plutôt. Et les Templiers des Parvenus furent massacrés. Le sang coula comme la rosée des pavillons supérieurs vers les fosses les plus basses, là où les esclaves au visage hystérique prirent leurs chaînes et attaquèrent leurs geôliers. Il ne resta que l'espoir qu'un feu de broussailles. Votre aube écoute, monseigneur. Laissons tout l'Orbis savoir par lui-même être libre. Mérunès arrive. Il n'y a plus de domination, plus que le libre arbitre. Les soleils ont été déchirés alors que vos légions rouges avançaient de ligue vers cet arrière-pays terrifiant. Une légion pour chaque guette écurie tomba et Diaf tomba et Ormagil fut écrasé avec du sel froid et à tout jamais appelé Or. Ainsi soit-il à nouveau au temps des portes. Sous la fange, Malbioche tomba. Cette ancienne cité des chênes, vengée par la chaleur du sang libéré. Galg et Morgag tombèrent ensemble en une seule nuit, et ainsi soit-il à nouveau au temps des portes. Que s'abatte le malheur sur Nirn, devenu la fosse, et cette malédiction sur son dreu. Le Vermae Nimok. Mais les croisades devront être la création de mon seigneur. Guette par le guet et faites selon votre volonté, sans autre entrave que votre propre conscience. Sachez que votre enfer est détruit, peuple de l'Orbis. Priez pour le Numantia, synonyme de liberté. Fou ! Eh bien, voilà, on a réussi à lire tous les livres de l'aube mythique. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce long épisode. Et on se retrouve, écoutez, pour l'épisode 15. Allez, à plus tout le monde. Bye.